Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, je suis ici pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un tuto avec vous d'une petite carte bascule. Voilà, regardez. J'ai vu ça sur le groupe où ce que je suis, c'est folle dingue. Je ne sais plus vous le dire, sincèrement, je veux les amis folle dingue. Je ne sais plus, c'est dans un groupe. Je l'ai vu et j'ai dit pourquoi pas vous le partager. Donc j'ai fait celle-ci. Voilà. Regardez pas mes ongles parce qu'avec la colle, ah ben, tout fout quand. Je fais des petites découpes ici. Je vais vous montrer ça de toute manière. Alors celle-là, ben, ça sera pour l'année prochaine, ça sera pour une copinote. Je crois que l'année prochaine, je vais me baser sur ça. Celle-là, celle-ci. Et alors, bon, celle-ci, j'aurais dû mettre une petite fleur, mais tant que je cherche après, j'ai mis une petite hirondelle. Comme dans 2 mois, on sera vite au printemps, voilà, et elle se balance, voilà. Donc sur ça, il faut vous munir, bah, de la colle, ça on le sait, des cutters. Moi c'est le cutter que j'ai fait il y a 5 ans, j'avais costumé, il est pourri de chez pourri, voilà. Ça, un crayon, une latte, alors bien sûr un sentiment, moi je l'ai déjà maté. Voilà, moi j'ai pris celui-ci, c'est ben, ma copine, ma petite sœur Scrap Pro, qui m'a envoyé tout ceci, et je la remercie infiniment. Voilà, ça va, moi j'ai fait de petites fleurs en papier, mais bon, ça ne me plaît pas trop, mais on verra bien si je vais les mettre. Alors il vous faut, ne faites pas comme moi, parce que moi j'ai mis un die sans mettre la, mal fonctionne toujours, sans mettre le plexiglas, donc ça a mouliné dans le mauvais sens, vous voyez les filles? Oui, riez pas, je sais. Donc il vous faut ce diamètre-ci et un en dessous. Donc moi j'aimerais bien avoir un peu plus grand que celui-ci, un plus grand. Donc, attendez, celui-ci en diamètre il fait, allez, ouais, 9, et sur dirait que c'est 9,5. De l'intérieur, moi je parle 9,5, enfin non, 10, ouais, 10, 10, 10, 10, et celui-ci, bah, il doit faire 9, logiquement. Voilà, 10 et 9. Donc voilà, pour obtenir donc le grand morceau d'abord, vous faites, pour avoir ce morceau-ci, voyez, vous faites une découpe. Moi je me suis déjà avancée, les filles, j'ai triché. Et alors, donc avec celui-ci qui est ondulé, heureusement qu'il n'ondule pas, donc vous faites un deuxième. Après, vous le pliez en deux. Moi, j'ai commencé. Hein, déjà, vous pliez en deux. Hein, voilà, comme ceci. Hein, ça, c'est facile. Vous pliez en deux. Celui-ci aussi. Voilà. Ce qu'on va faire, on va mettre déjà la colle sur cette partie-là, partout. Voilà. Au milieu. Parce qu'il faut que ça prenne bien sur le pli. Voilà. Vous en mettez partout pour que ça adhère bien. Vous reprenez le grand morceau. Vous glissez donc celui-ci pour calculer bien à ici, et bien sûr, les filles. Hein, une fois que c'est bien calculé, le reste se fait tout seul. Vous appuyez bien, vous voyez, comme ceci. Vous obtenez ça. Hein, vous l'ouvrez, vous l'aplatissez bien. Moi, je trouve plus mon plus noir, il doit être que part. Je sais pas ce que j'ai mis, j'en mets un gros là, mais il est trop gros. Donc, je vais faire la main, ça va mieux pour moi. Donc, voilà. Une fois ça, c'est fait, vous voyez. Vous le retournez, attendez, vous le retournez, donc la mise doit être, je sais plus, horizontale, comme ça. Vous prenez votre latte, vous mettez bien votre règle au milieu, où ce qu'il y a la ligne, à 4 cm du bord. Donc, vous faites un point ici, juste ici, 4 cm. Après, vous tirez une petite ligne, j'espère que vous allez bien voir, je vais essayer de... Vous mettez bien votre latte, vous faites une petite ligne verticale de 1,5 cm, 1,5 cm. Voilà, là, il est un peu trop grand, mon goût, mais c'est rien, je vais gommer, vous voyez. Donc, celui-ci, c'est le bon, hein. Donc, vous faites là, 1,5 cm, ou à presque 2 cm avec. Là, je vais effacer un petit peu, s'il y a trop. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher ma gomme, pas faire de bêtises. Tout petit peu. Hein. Voilà. Vous reprenez. Vous le reprenez. En fait, vous allez faire une ligne droite jusqu'en bas ici et une ligne droite jusqu'en bas ici.
les deux côtés. Donc moi je vais les faire qu'elles soient bien droites. Voilà, une ici, bien droite. Je vais vous montrer ce que ça fait, vous allez comprendre. Voilà, ça doit faire ceci. Je regarde si c'est bien. Ouais, encore un petit centimètre. C'est rien, je vais recommencer la ligne parce que c'est trop, trop. L'écart va être de trop. Donc il faut que ça soit, l'écart soit de même côté de l'un et de l'autre. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc celui-ci, je l'ai fait, je l'avais fait trop écarté. Donc celui-ci, on compte pas. Donc vous faites ce. Voilà. Vous reprenez votre latte. Et ici, vous allez venir couper du bout à bout ici avec votre cutter qui coupe bien parce que le mien c'est pas le cas. Donc on va le couper, on va bien appuyer sur la date. Voilà, faudrait que je m'en achète un parce que franchement celui-ci c'est plus ça. Je suis désolée les filles, mais j'ai plus toutes mes forces et j'ai mal dans mon bras. On continue jusqu'au temps que je l'entends. Il n'y a plus le papier ici. Allez, hop, courage. C'est mon cutter à moi qui ne va pas tellement bien, les filles. Donc, vous ne tracassez pas. Alors, on continue la main. On coupe bien. Hop, je regarde si tout est bien. Je pense que là, c'est bon. Voilà. Voilà, vous voyez. Bon, j'ai abîmé un petit peu de papier, mais ce n'est pas grave. Il y a une ouverture ici qui doit se faire, donc la ligne. Je regarde si tout est bien fait. Encore un tout petit peu parce qu'il faut qu'il soit bien jusqu'au bout, hein. Voilà. Voilà, et ici après ce qu'on va faire, parce que j'ai oublié quelque chose, parce qu'il est mon truc, me dites pas que j'ai pas, ah, il est ici, la pointe de, comment ça s'appelle déjà, le petit tout, petit tout, petit tout, petit tout, je sais plus ça. Et alors, vous allez appuyer ici, là, sur les deux lignes de chaque extrémité. Donc, vous prenez votre latte, vous appuyez bien. Petit tout, je ne sais plus les filles, je ne sais pas correct. Hein. Allez, on appuie bien pour marquer les plis, en fait. Voilà, l'autre côté. L'autre côté, l'autre côté. Hop! Voilà. Après, donc vous allez plier la ligne, donc les deux lignes qu'on vient de marquer ici, donc les deux lignes qu'on a marquées ici, ici, vous allez replier dans ce sens-ci. Voilà. Hop. Voyez, ça marque. Hein. Vous faites doucement. Vous faites d'abord celui-ci, puis l'ouverture du bas. Hop, comme ceci. En fait, je vais vous montrer. C'est facile, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Faut bien marquer parce que si on rate là, je risquerai que ça ne marche pas. Voilà, je vais vous montrer. Hop, et vous pliez le tout. Voilà, en fait, vous voyez les plis qu'on a fait. Hein, je vais le remettre. Les plis qu'on a fait là, donc hein, vous le pliez vers le haut, donc vers le haut, comme ça, hein, au-dessus, en montagne. Et alors, la petite, le pli du milieu, vous repliez ici. Je ne sais pas comment vous le dire. La montagne à l'envers, en fait, la vallée. Donc, montagne, vallée et montagne. Et vous obtiendrez, en appuyant bien, bien sûr, bien vos plis. Vous appuyez bien sur les deux points parce qu'il y a un petit rebord ici qu'il faut tout couper. En appuyant bien, vous prenez un ciseau et vous coupez bien. Mais vous regardez d'abord si tout est bien mis, parce que si tout n'est pas bien mis, ça sert à rien. Voilà. On va couper le rebord. Ici, je l'ai mal fait. Voilà. Je remonte. Je coupe la pointe ici. Tout petit peu. Maintenant, je crois qu'il est bon, bien. Non. Encore un tout petit peu ici. Donc, vous coupez hein, ce que je vous ai montré, le surplus. Voilà. Et vous obtenez la
La carte, la bascule. Vous le mettez en ralenti, en accéléré, image par image. Hein. Voilà. Donc, vous obtiendrez ceci. En fait, ça fait un peu comme un sabot. Hein, regardez. Hop. Voilà. Maintenant, on va la décorer. Donc, moi, mon petit sentiment, j'ai mis belle journée. Donc, je me dis, à part les fleurs que je n'ai pas, je ne sais pas comment, si je vais le mettre ou non, j'en sais rien. Peut-être la blanche. Je vais mettre la blanche. On va y aller pour la blanche. C'est avec le dice de Chex. Pardon. Je vais mettre ici au coin. Voilà. Va mettre au coin. Voilà. 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 Alors, ce que je vais faire, je regarde si je vais installer les oiseaux ou pas. Non, je sais pas. Non, je vais plutôt mettre le sentiment. Bah, écoutez, sentiment, je vais voir. Parce que je vais le déposer quand ce sera le moment. Je vais même prendre de colle. Ah, les filles, la carte là est très facile. Hein. Moi, j'aurais pas fait le tuto. Vous savez très bien. Donc, le petit mot, est-ce que je pourrais le mettre ici? Non, 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 ça va pas ici, ouais. Ici. Donc, je vais mettre la bonne journée ici. Voilà. Voyez, ça fait déjà son petit effet. Bien sûr, ça, si vous avez des petites fleurs, vous mettez ce que vous voulez, hein, comme j'ai fait ici avec des découpes de feuilles, des... Regardez. Mais ici, je ne sais pas ce que je les ai mises. C'est une paire de manches. Donc ici, ce que je vais faire, je vais mettre une petite perle au milieu pour rappeler... Ah oui, pour rappeler la couleur mauve. Voilà. Regardez, ça fait déjà son effet, hein. C'est simple, mais c'est mignon. Et ça fait toujours plaisir de recevoir une. Alors, je voulais mettre des petits oiseaux, mais je ne sais pas lequel que je vais mettre. Si je tout mettre, je vais enlever celui-ci qui est cassé. Hop. Et je vais mettre peut-être. Je vais voir. Comme si c'était ce film. Non, ça fait trop, je trouve. Un petit oiseau, peut-être seul. Hop. Je le coupe. Je le coupe. Bon, on ne le voit pas tellement bien. Hein. Donc, je préfère rajouter une petite perle à la rigueur. Une perle ou deux. Ici. Et ici. Je vois, ça fait pas trop, hein, trop de perles. Trop de perles, ça tue trop de perles. Bah ouais, il vaut mieux rester comme ça. Ah oui. Une petite patate ici. Ouais, peut-être ici. Ça fait beaucoup de perles, hein, n'empêche. Je vais mettre la grosse ici. Ouais. Et la moyenne sur la fleur. Voilà. Je vois, c'est pas mieux comme ça. Ouais, ça, c'est plus joli. Voilà. C'est plus harmonieux, on va le dire ainsi. Voilà. J'ai pas mis trop parce que comme le papier est déjà chargé. Voilà, les copinottes, maintenant, il n'y a plus qu'à vous de... Et regardez toujours bien si... C'est rien, c'est la paire qui est partie. Regardez toujours bien si la carte est toujours bien de niveau parce que ici j'ai mal plié. Voilà. Je vais remettre ma petite perle qui est partie. C'est normal, elle s'est décollée. Voilà les filles. Eh ben, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Voilà, vous pouvez vous y mettre. C'est très facile, c'est très rapide. Et ça peut faire toujours plaisir, voilà, bah, d'en offrir quoi. Voilà. Sur ce, bah, commentez, likez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Si vous l'êtes, tant mieux. Je remercie encore infiniment tous les abonnés qui me suivent. À une prochaine vidéo, si Dieu veut, bien sûr qu'il voudra. Surtout, toujours bien faire vos mains à la colle et le masque. À bientôt. Bye bye. Je suis obligée de passer ma main pour les